the truth. Bien bonjour à toutes et à tous, c'est Nexo31. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo détente, vite fait pour vous parler un peu de l'avenir de la chaîne, faire un point tout simplement. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de plusieurs choses, parce que j'ai réfléchi voilà, pendant cette absence de vidéo qui fait, je sais pas, ça doit faire un mois. Et j'ai réfléchi et j'avais songé à plusieurs points. Tout d'abord, on va commencer par le point 1, qui est sûrement le plus important. J'avais songé à changer de pseudo, mais c'est pas encore sûr. Pourquoi j'aimerais bien changer de pseudo? Tout simplement parce que Nexo31, en fait, voilà, ce nom commence un peu à me lasser, on va dire, enfin, me lasser. J'apprécie de moins en moins ce pseudo, parce que voilà, j'avais songé déjà en premier, en fait, sur Minecraft. Enfin, de changer mon gamer tag tout simplement, genre sur Minecraft, GTA. Donc j'avais trouvé une idée, mais j'avais plus à me souvenir de ce que c'était, mais j'essayerai de retrouver. Et du coup, par la suite, changer mon gamer tag, enfin mon nom, mon pseudo YouTube. Et voilà, donc ce sont les seules raisons, mais qui font que j'ai envie de, voilà, de changer de nom. Et voilà, après, j'avais songé un deuxième point, notamment sur la régularité des vidéos. Donc vous l'avez vu depuis l'année dernière, depuis le début de l'année dernière, en fait, depuis le début de la rentrée 2016, donc pas celle-là mais celle d'avant, j'ai un rythme de vidéos de moins en moins régulier, et notamment ça se voit quand on regarde les dates. Souvent, par exemple, ma dernière vidéo elle est sortie il y a un mois. Soit c'est pas énorme pour un youtubeur comme moi, un mois, mais avant, par exemple, quand j'avais débuté ma chaîne, je sortais des vidéos, je sortais deux vidéos par semaine, au moins. Ce qui est énorme quand même, deux vidéos par semaine, sachant qu'il y a certains youtubeurs qui sortent qu'une vidéo tous les deux mois, un peu comme moi en ce moment. Donc je sortais deux vidéos par semaine, et là j'avais pensé, pourquoi pas, bon par contre ça va être compliqué. Mais pourquoi pas si j'arrive à tenir un nouveau rythme, un peu plus régulier, parce que bon voilà, une vidéo tous les 1 mois, des fois c'est les 2 mois, des fois c'est les 3-4 mois. J'avais pensé à sortir une vidéo par semaine. Alors ça va être très très chaud pour moi, parce que je n'ai tout simplement pas le temps, j'ai de moins en moins de temps, excusez-moi, pour tourner des vidéos. Et du coup, ça ne me favorise pas trop dans ce que je vais faire pour la chaîne plus tard. Mais bon, voilà. Concernant le changement de pseudo, s'il y a un changement de pseudo, sachez que ça ne... Du coup, dans tous les cas, même si j'avais trouvé mon nouveau pseudo, ça ne se fera pas tout de suite, car il faut que je change mon logo, il faut que je fasse un nouveau logo. Il faut que je fasse une nouvelle bannière, du coup. Comme j'ai mis dans mon logo, j'ai mis mon nom et dans ma bannière aussi. Il faut que je change le nom de ma page Facebook, le nom de tous mes gamer tags. Bon, moi, ça va être le bordel, quoi. Mais, donc voilà, ça ne se fera pas tout de suite, en tout cas, si je dois changer de pseudo. Et voilà, donc je sais pas encore comment ça va se passer. Nouveau point, je vais bientôt avoir une nouvelle carte graphique, donc beaucoup plus puissante. J'avais pensé à une GTX 1050 Ti ou une GTX 1060. Donc cette carte graphique, justement, je l'achèterai pour faire des vidéos sur des jeux comme GTA, Assassin's Creed, pourquoi pas, enfin des gros jeux sur PC. Et notamment, par exemple, quand ma dernière vidéo qui était sur sur ma ville Minecraft, notamment pour avoir un meilleur rendu, et pourquoi pas faire des vidéos à 60 images secondes en Full HD, ça serait vraiment pas mal. Bon, ça non plus c'est pas encore, enfin c'est sûr, si je vais me la changer, mais quand, je sais pas. Voilà, on verra plus tard. Concernant les vidéos avec les poteaux, donc avec Illumikaze, Yezix, Pokémat, et toute la crique.
Sachez que j'aimerais bien en refaire avec eux. C'est vrai que voilà, j'ai le temps de jouer avec eux. Bon, là, c'est un peu la partie inutile de la vidéo, mais voilà. J'ai le temps de jouer avec eux. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, en fait, dès qu'on a une idée de vidéo, on se donne pas le courage pour le faire. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien, si vous êtes, si vous écoutez ce moment-là, j'aimerais bien que dans les commentaires, vous proposiez une idée de vidéo. Donc je sais pas, ça peut être je sais pas, par exemple oui, par exemple un timelapse en construction sur Minecraft. Je peux faire aussi des vidéos sur PS4 comme sur FIFA, sur Assassin's Creed, et après j'ai d'autres jeux. Enfin, voilà, vous me proposez, par exemple, si vous connaissez un peu Minecraft, vous me proposez un mode de jeu, un serveur sur lequel on pourrait jouer. Moi je suis volontiers, je prends. N'ayez pas peur, et voilà. D'ailleurs, je tiens à préciser aussi, avant de terminer la vidéo, que je n'accepte pas les Skype. Là, si vous me demandez mon Skype, je ne vous le vous donnerai pas. Tout simplement parce que j'ai un pote qui a donné son Skype à un de ses abonnés. Il s'est fait DDoS pendant 4 jours, je crois. Il s'est fait DDoS tout le temps. Et à chaque fois, on n'arrivait pas à jouer ensemble. Donc voilà, là, il a réussi. Maintenant, il se fait plus DDoS. Il a carrément supprimé son compte Skype. Donc voilà, je ne donnerai pas mon Skype, ni même mon Discord. Enfin, si je pourrais peut-être vous donner mon serveur Discord, parce que oui, mon serveur Discord, je pourrais vous le donner. D'ailleurs, il sera dans la description si vous voulez le rejoindre. Là, sur ce, il n'y a pas de souci. Bon, bref, c'est la fin de cette vidéo. Petite courte vidéo pour faire un point. Donc ouais, j'ai un peu j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Il y aura une vidéo dans la semaine normalement. Donc moi je vous dis bye, à la prochaine. Peace, salut tout le monde.